qu'il m'adore. Comme le cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah a expliqué les mots ibada, a montré que c'est un mot qui englobe, n'est-ce pas, en langue arabe, tout ce que Dieu aime et agrée des paroles ou actions, des bonnes paroles et bonnes actions visibles et invisibles. C'est ce qui résume le terme adoration. Or, si nous avions été créés pour adorer Dieu, le prophète Muhammad, si nous avons été créés pour adorer Dieu, donc cette adoration, comme c'est expliqué, le mot adoration, comme il a été expliqué par le cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah, nous devons savoir que la tête de l'adoration, la première forme ou la forme la plus importante ou l'adoration la plus importante en islam, c'est la prière. C'est la prière. C'est ça, comme le prophète l'a dit, Ra'asul Amr al-Islam wa amuduhu as-salah. Donc, dans notre affaire, l'islam là, le pilier de l'islam, les grands piliers de l'islam, après les shahadatayn, les deux témoignages, c'est quoi? C'est la prière. Et le prophète nous montre dans un hadith qu'au dernier jour, la chose, la première chose sur laquelle le serviteur de Dieu sera interrogé au Yawm al-Qiyamah, c'est quoi? C'est la prière. Or, cette prière, nous devons l'accomplir où? Où devons-nous accomplir cette prière? C'est dans la mosquée. Bien sûr, il y a des prières que nous devons accomplir chez nous à la maison. Mais les prières obligatoires doivent être accomplies où c'est? À la mosquée. Afdal salat lil mar'i fi baytihi illa al maktouba. La meilleure des prières pour les serviteurs de Dieu, c'est à la maison, sauf les prières obligatoires qui doivent être accomplies où c'est? À la mosquée. Voilà. Nous savons que on peut accomplir la prière ailleurs. Le prophète a dit, Dieu lui a rendu la terre comme une mosquée. Toute la terre, c'est comme une mosquée en Israël. Mais le prophète a mis un accent particulier sur la mosquée en tant que bâtiment. C'est pour cette raison, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, a émigré, a fait l'Égypte, de la Mecque à Médine, la première chose que le prophète a faite, c'était de construire quoi? De construire une mosquée. Parce que la mosquée, le statut de la mosquée, la place de la mosquée, c'est une grande place dans l'islam. C'est une grande place dans la vie des musulmans. La mosquée joue un grand rôle dans la vie des musulmans. Et nous l'avons vu à l'époque de Moïse, de Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Bien qu'aujourd'hui, la technologie et les progrès technologiques est une évidence, n'est-ce pas? Et les modes de vie évoluent. Nous voyons que beaucoup de fonctions de la mosquée sont déplacées ailleurs, dans des organes, des départements, ainsi de suite. Mais la mosquée n'a toujours pas terminé sa maison, sa mission. Pourquoi la mosquée n'a toujours pas terminé sa mission? Parce que d'abord, les mosquées, ce sont les maisons d'Allah sur terre. Les mosquées, ce sont les maisons d'Allah sur terre. Et non seulement cela, mais les mosquées, c'est aussi là que descend la miséricorde d'Allah. Et non seulement cela, c'est aussi dans les mosquées d'où sont exaucées les prières de ceux qui vont adorer qui? Adorer Allah. Et il y a encore bien qu'on exauce des prières ailleurs également. Mais les mosquées ont un statut spécifique en islam. Et les mosquées ou la mosquée constituent la première école de l'islam. À l'époque du prophète, la mosquée c'était tout un ministère là-bas, tout un gouvernement. Tout était là-bas. Tous les ministères étaient là. À l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Et quand les prophètes met, nous parlons de partout où on peut adorer Dieu.
Mais le prophète a mis un accent particulier sur les bâtiments qui seront construits pour que les musulmans se retrouvent en congrégation, tant frères que des sœurs, pour prier en groupe. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, parce que les mosquées jouent un rôle plus que capital d'unifier la Oumma, de faire les mises à jour du sens élevé de la fraternité universelle des musulmans. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se rencontre dans nos mosquées pour les cinq prières, nous faisons quoi? Nous faisons une mise à jour de notre fraternité, de notre foi en Dieu, de notre union, notre unité. C'est plus qu'important. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a dit « Man bana lillahi masjidan, bana Allahu lahu baytan fil jannah. » Celui qui construit une mosquée pour l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Dieu lui construira une maison au paradis. Vous voyez comment Dieu met un accent sur la mosquée, sur le bâtiment. À cause de quoi? À cause du rôle que la mosquée joue dans la communauté musulmane. Donc, celui qui bâtit une mosquée pour l'amour d'Allah ou en reconnaissance pour Allah, il y a d'autres personnes qui bâtissent, construisent des mosquées parce que Allah leur avait donné le risque et en reconnaissance pour Allah vis-à-vis d'Allah, ils font quoi? Ils construisent des mosquées. Et tout cela par amour pour qui? Pour Allah. Ce n'est pas on construit une mosquée pour se faire voir, ce n'est pas on construit une mosquée pour diviser les musulmans, ce n'est pas on construit une mosquée pour une autre arrière-pensée négative qui nuirait à la communauté quoi? À la communauté musulmane, non. Il y a une voiture qui doit être déplacée. Ah, ok. Il y a une voiture Yaris à déplacer. Si je me dis pas. Vous comprenez? Nous continuons bien sûr. Donc, si le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a mis un accent sur l'importance de la mosquée, en montrant aux gens ou aux musulmans qui vont construire des mosquées, que Dieu leur a fait promesse de leur construire des maisons dans son paradis, c'est parce que les mosquées jouent un rôle plus que capital dans la communauté musulmane. Même lorsque nous nous retrouvons dans un pays laïque, comme ici au Congo-Brazzaville et chez moi en RDC. C'est-à-dire, quand nous construisons des mosquées, c'est-à-dire, par cette construction des mosquées, c'est-à-dire, nous montrons clairement aux autres, comme à des musulmans, même étrangers qui arrivent ici, n'est-ce pas, que les musulmans existent dans ces pays. L'islam existe dans ces pays. Parce que s'il n'y a pas de mosquée, mais comment les gens sauront qu'il y a des musulmans ici? Vous comprenez? Donc quand nous construisons des mosquées, c'est un signe aussi que des musulmans existent. Les musulmans vivent dans des pays où l'on trouve quoi? L'on trouve des mosquées. Et cela, c'est pour notre propre avantage. Parce que les mosquées sont là. Comme je l'ai dit, c'est la première école de l'islam. Parce que si nous avons été créés dans le noble but d'adorer Dieu, mais quand le prophète est arrivé à Médine et qu'il s'est empressé de construire une mosquée, c'est pour que dans cette mosquée, ils construisent, les prophètes puissent construire la personnalité des musulmans. Est-ce que vous comprenez? Puissent dispenser des enseignements qui vont construire la personnalité des musulmans, faire de sorte que les musulmans réalisent le but de leur existence sur la terre tel que Dieu attend d'eux sur le plan vertical et horizontal. Donc, dans les mosquées, on forme les musulmans. On fait de sorte qu'on enseigne aux musulmans comment avoir une bonne relation avec leur créateur sur le plan vertical, avoir une bonne relation avec leurs semblables sur le plan horizontal, avoir une bonne relation avec la nature qui les entoure, et aussi, partant, être utile à soi-même,
être utile à sa communauté et être utile à son pays. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui font défaut. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a par exemple des détournements dans beaucoup de pays, les gens ne sont pas sérieux. Parce que c'est un problème de bonne moralité seulement. C'est pourquoi en islam, à l'époque du prophète, on ne pouvait pas remettre la responsabilité à n'importe qui. C'est-à-dire, on ne regarde pas d'abord les diplômes. Vous avez des diplômes, des doctorats, des... Non. On regarde d'abord la moralité. Est-ce que cette personne a une bonne moralité? Cette personne a foi en Dieu. Cette personne a la crainte de Dieu. Parce que si la personne a foi en Dieu, la personne a la crainte de Dieu, la personne a une bonne moralité, cette personne aura peur de mettre la main dans la caisse de l'État. Elle aura peur de mettre la main dans la caisse de la société. Mais si la personne n'a pas une bonne moralité, mais elle va prendre l'argent du contribuable et s'acheter des maisons et s'acheter des voitures parce que ça ne lui dit absolument rien. Donc, le rôle de la mosquée est plus qu'important. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous les musulmans, lorsque nous construisons des mosquées comme ça, est-ce que, et que nos mosquées sont remplies pendant les heures de la prière, ça c'est encore une preuve que le monde matériel qui prend aujourd'hui le dessus sur beaucoup de personnes ne sera éradiqué que par la Oumma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que vous allez voir, n'est-ce pas, il arrive lorsque le muezzin fait appel. Bien sûr qu'il y a des brebis égarées parmi nous, hein, qui peuvent faire fi de l'appel du muezzin. Et d'autres, on peut les comprendre, là où ils sont, l'heure de la prière arrive, ils peuvent pas se déplacer pour aller à la mosquée, de peur que le voleur lui réserve une mauvaise surprise dans son magasin ou dans sa boutique. Il étale son tapis et il fait quoi? Il fait sa prière. Mais la majorité des musulmans répondent à quoi? À l'appel du muezzin. Quand nous répondons, wallahi mes chers frères et sœurs, quand nous répondons à l'appel du muezzin, non, Iblis est très en colère contre nous. Déjà avec l'azan, il a pris déjà fuite. En attendant l'azan, il a déjà pris fuite. Mais quand il nous voit encore répondre à la prière, mais c'est terrible. Il est très en colère contre nous. Pourquoi? Parce qu'en répondant à l'appel, quelle que soit notre préoccupation commerciale ou je ne sais pas quoi, vous étiez entré devant dans les magasins ou je ne sais pas où, on fait l'azan. Dès que vous abandonnez tout ce que vous étiez en train de faire, même de vendre, vous partez à la mosquée, vous confirmez effectivement que Allahu Akbar, Dieu est le plus grand sur ton commerce. Vous confirmez que Dieu est le plus grand sur ton commerce. Parce que le musulman, c'est celui qui sait que ce ne sont pas les marchandises qui lui apportent de l'argent. Non. Tu peux avoir des dépôts remplis de marchandises, mais si Dieu n'a pas écrit que tu vas vendre ces marchandises, tu ne les vendras jamais. Une autre personne peut venir, elle n'a aucune marchandise, mais si seulement elle touche à tes marchandises, on achète. Pourquoi? Parce que Dieu lui a écrit les risques. Le risque, ce n'est pas les marchandises. Le risque, c'est Allah qui donne. Donc, quand on sait que c'est Allah qui donne les risques, et que nous étions en train de vendre dans les magasins, l'heure de la prière arrive, et qu'on abandonne tout, on va à la mosquée, on prouve par ricochet que Dieu est plus grand que notre commerce, et par là, nous prouvons, nous démontrons également que, pourquoi ne pas aller à prier, à adorer Dieu, pourtant c'est lui qui m'a donné ce que je possède. Est-ce que vous comprenez un peu? Et ça, nous avons vu à Bounia, à l'est de la République démocratique du Congo, un Américain s'est approché d'un musulman, le musulman qui vend des histoires devant la mosquée, et c'était un Ouest-Africain. On a fait la dame. L'Iqam a commencé. Le frère a fermé. L'Américain est venu avec l'argent. Il veut acheter. Mais le frère lui a dit, non, c'est l'heure de la prière. Il dit, mais je viens avec l'argent. Il a dit, c'est l'heure de la prière. Je vais adorer celui qui donne l'argent. Parce que si cet argent m'est destiné, je l'aurai. S'il ne m'a pas été destiné, je ne l'aurai pas.
Le blanc est resté. Le blanc a dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Le frère est parti à la mosquée. Le blanc est resté là, il a médité. Il a suivi les gens dans la mosquée. Il est rentré dans la mosquée. Après la prière, on a vu un blanc. Quoi, monsieur, non? J'ai vu quelque chose qui m'a marqué. Il dit quoi? Il a commencé à expliquer. Il dit, si c'est ça l'islam, on refuse l'argent pour dire. Alors Mohammed est véridique. Il a demandé à faire la shahada, il a prononcé la shahada sur place et il est devenu musulman. C'est pourquoi on dit tout contribue à appeler les gens à l'islam. Tout. Il ne faut rien négliger à l'islam. Rien négliger. Même les hommes d'affaires parmi nous qui n'ont pas une grande connaissance de l'islam peuvent amener les gens à l'islam à partir de leur honnêteté, leur sincérité, la façon dont ils traitent leurs travailleurs, la façon dont ils collaborent avec les gens qui viennent dans leur société. Votre façon de collaborer avec les gens, votre humilité dans la grandeur peut amener les gens à embrasser l'islam. Il y a un frère à nous, au Congo, qui ne priait pas, musulman. Il est parti au Nigeria à l'époque où on vendait des ketchup, des histoires. Arrivé là-bas, ils sont allés voir un frère musulman, Aoussa. Il devait acheter quelque chose de ce frère Aoussa, d'une valeur de 25 000 dollars. À l'époque, il est parti chez le frère Aoussa. Le frère Aoussa l'a amené chez lui. Notre frère à nous, les Congolais, avec ses 25 000 dollars, ils sont rentrés dans sa maison, il a ouvert une porte, ils sont rentrés dans une chambre. Le vieux a dit, peu s'en faut que je m'évanouisse. C'est-à-dire, quand il est rentré avec ses 25 000 dollars, il a trouvé dans cette chambre, il y avait des devises partout. Des devises qui ont rempli cette chambre, cette pièce, pour ses frères Aoussa. Maintenant, il est venu avec ses 25 000 pour payer ce qu'il devait payer chez le frère. Il a donné les 25 000. Le frère Aoussa a pris les 25 000. Il a jeté là-bas. Bon. Maintenant, lui, il a dit au frère Aoussa, vous ne vérifiez pas. Il a fait ça. Il a fait seulement Allah. C'est pas possible. Donc, lui, il a ses 25 000. D'abord, il voit, il y en a derrière là. Des dollars, des zéros, des quoi. Ça remplit toute la pièce. Alors toi, tu vis avec tes 25 000. Bon, lui, il se croyait déjà riche, mais il a vu plus riche que lui. Maintenant, on a pris ces 25 000, on a jeté derrière. Vous ne vérifiez pas? Et puis, arrivé l'heure de la prière, il voit le frère Aoussa là, riche. Il le prend par la main, il dit, allons à la mosquée. Allons à la mosquée. Ils sont partis prier. Et chaque jour, 5 fois par jour, les frères là, qui étaient millionnaires, passer par chez lui pour les prendre, aller à la mosquée. À partir de cela, les frères avaient repris la prière. Ça lui a servi de leçon. Donc, tout en islam contribue à la conversion des non-musulmans, pourvu seulement qu'on comprenne notre religion. Donc, mes chers frères et sœurs, il y a un hadith, si le cheikh peut me rappeler ça, أحب البلاد إلى الله المساجد المساجد وها الأسواق بارك الله فيكم. Qu'est-ce que je vous ai dit? Voilà que l'imam m'a rappelé le hadith. Donc Dieu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi nous dit dans cet hadith, les maisons les plus aimées de Dieu, les places, les endroits les plus aimés de Dieu sur cette terre, ce sont les mosquées. Et les places, les endroits les plus détestés par Dieu sur cette terre, ce sont les marchés. C'est-à-dire, dans un pays, les endroits les plus aimés par Dieu, ce sont les mosquées. Et les endroits les plus détestés par Dieu, ce sont les marchés. Pourquoi? Les maisons les plus aimées par Dieu sur cette terre, ce sont les mosquées. Parce que dans la mosquée ou les mosquées, les gens adorent Allah. Les gens font les écrits, les gens lisent le Coran, les gens enseignent les sciences islamiques, les gens se recommandent le bien, s'interdisent le mal, et c'est ce que Dieu attend de nous. Dieu aime ça. Maintenant, il dit, les endroits les plus détestés par Dieu, ce sont les marchés dans un pays. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a beaucoup de bruit là-bas,
Deux, il y a de l'escroquerie. Il a acheté la marchandise à point noir, mais il te dit qu'il était à Dubaï. Non, c'est venu hier. Hier seulement, je suis arrivé hier, par les vols d'hier. Mais pourtant, il a acheté ici. Et il peut même prendre des marchandises piratées. Il mélange avec les vrais. Tromperie. Tu demandes, ça aussi, c'est l'original. Oui, c'est l'original, c'est l'original. Mais lui-même, il sait que ce n'est pas l'original. Et donc, des faux serments. Les gens font des faux serments. Ça, c'est Dubaï. Oui, ça, c'est Dubaï. Et il te montre maintenant ce qui est faux. Il te dit, ça, c'est, mais ça, c'est l'Amérique. Ça, c'est Thaïlande. Ça, c'est Thaïlande. Ouais, mais ça. Escroquerie, tromperie, faux serment. Alors, mais vous l'avez acheté à combien? Ah, bon, moi, je vois seulement. Vous vendez ça à combien? Il a acheté ça en Chine à 5 dollars. Mais il dit, oh, non, ça? Non, disons 5 000 francs, c'est ça. Et ça, c'est combien? Ça, c'est 90 000. 90 000? Il a acheté à 5 000. La personne lui dit, prends 50 000. Il dit, non, moi j'ai acheté 70 000. Si tu me donnes 80, je prends. Il sait qu'il a acheté à 5 000. On lui propose même 50 000, mais il dit, non, 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 moi j'ai acheté à 70 000. Ouais, les endroits les plus détestés par Allah. Illa man rahimahullah. Sauf celui à qui Dieu fait miséricorde, il va échapper à ces choses-là. Et cela n'est pas le cas des commerçants, par exemple, qui ont acheté une marchandise à 5 000 et arrivé sur le marché, là derrière, la marchandise est montée quoi? À 20 000 ou 15 000. Et puis lui, il ajoute un peu, parce que quand il va repartir, il va faire quoi? Il va acheter d'autres marchandises. Ça, c'est un autre jugement. Mais regardez cet endroit, comment ça se passe. C'est les endroits les plus détestés par Allah. Mais les plus aimés, ce sont quoi? Ce sont les maisons de Dieu. Et pour finir avec cette partie, les gens qui construisent les mosquées par amour pour Dieu, ils n'auront pas seulement la récompense des maisons construites dans le paradis. Non! Parce que c'est ce que le prophète a dit. Mais il y a encore d'autres hadiths du prophète qui montrent qu'ils auront encore d'autres récompenses. Parce que celui qui fait une bonne action et que les gens continuent à imiter cette bonne action, même après qu'il soit parti, les gens continuent à faire cette bonne action, il aura quoi? Ça part des récompenses. Et celui qui fait une mauvaise action, celui qui fait une mauvaise action et que les gens imitent derrière lui, il aura quoi? C'est quand même dans les versets du Saint-Coran, ici, Ibn Kathir, rahimahullah, quand il parle de wa'atharahum, il dit, ça c'est les œuvres des gens qui ont fait des mauvaises actions sur terre, mais ces mauvaises actions sont restées. Qu'à chaque fois que les gens continueront à perpétuer leurs mauvaises actions, ils auront leur part devant Dieu. Ils seront également jugés pour ça. Imaginez que vous avez construit un hôtel pour que les gens viennent faire les zina. Au lieu de construire une mosquée, là où les gens vont adorer Dieu, vous vous construisez un hôtel. Et vous savez très bien, construire un hôtel, ce n'est pas une mauvaise chose. Lorsqu'une personne vient avec sa femme, comme ça se passe dans le pays islamique, on arrive avec sa femme, on présente quoi? Les documents, on sait que c'est votre femme. Allez, vous rentrez, vous prenez une chambre. Vous êtes en voyage, ou vous êtes allé faire je ne sais pas moi quoi, ou bien se reposer, c'est votre épouse. Il n'y a pas du mal en cela. Mais quelqu'un qui sait déjà que ceux-là sont venus pour les zina. Ils sont venus ici pour les zina. Et toi, tu sais pertinemment qu'ils sont venus pour les zina. Mais tu prends quand même cet argent du zina ou des zina, et puis tu leur offres la place pour désobéir à Allah. Mais s'ils continuent à faire ça, même après votre mort, si dans cet hôtel, les gens continuent à faire quoi? À faire les zina, et que c'est vous qui avez construit ça pour avoir l'argent facile, mais vous aurez votre part devant Dieu. Vous aurez votre part devant Dieu. Mais les mosquées, les gens qui construisent des mosquées par amour pour Dieu, toutes les activités islamiques
qui seront organisées ou tenues dans cette mosquée-là pendant leur vivant et après leur mort, ils auront leur part. Ils auront leur part. C'est pourquoi nous disons que maintenant nous avons des belles mosquées, alhamdoulilah. Il appartient maintenant aux imams de jouer leur rôle, d'encadrer les musulmans, d'encadrer la Ouma, parce que nous vivons une période plus qui est critique pour l'islam. Et c'est une période qui nous a été annoncée par les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Mais la seule chose qui va nous sauver dans cette période de fitna, c'est le retour à nos vraies valeurs spirituelles et morales de l'islam. Et ces vraies valeurs spirituelles et morales de l'islam ne sont enseignées généralement que dans nos mosquées. Dans nos mosquées. Et c'est de la meilleure des choses qu'un musulman à qui Dieu a donné des moyens puisse faire avant de quitter cette terre. Parce que vous avez laissé quelque chose ou un bâtiment dans lequel les gens se réunissent pour adorer qui? Pour adorer Allah. On n'imagine pas quelle récompense vous aurez devant Dieu, hormis le fait que Dieu vous construira une maison dans son paradis. Bref, j'aimerais m'arrêter là par rapport à ces premiers points, comme je vous l'avais dit. Je ne peux pas m'étendre plus que mes imams. Non, pas du tout. C'est parce que j'ai visité cette mosquée. Il y a encore d'autres mosquées qu'on va peut-être bientôt inaugurer, Inch'Allah. Et c'est à l'occasion qu'on a voulu parler un peu de cela. C'est très, très, très important pour la communauté musulmane. Vous savez, vos papas, à l'époque, chez nous en RDC, la plupart de nos mosquées ont été construites par vos papas, de l'Ouest africain. C'est comme aussi, ici également. Parce que il n'y a pas de choses plus précieuses que vous, les Ouest africains, vous pouvez nous apporter ici au Congo, c'est la religion. Le commerce et les vêtements, d'ailleurs, on n'en a pas besoin. On va bien sûr les acheter pour ne pas marcher nu. Mais la chose la plus précieuse, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Dieu m'a montré la terre, j'ai sillonné dessus, partout où je suis passé, l'islam fera quoi? Va pénétrer. Mais si l'islam pénètre ici à travers l'Ouest africain, c'est-à-dire dans cette vision que le prophète a vue, n'est-ce pas? Il a été écrit que c'est à travers vous que l'islam va faire quoi? Va rentrer. Donc quand vous venez ici, parce que c'est une règle dans le Coran, vous pouvez vivre sous d'autres cieux, mais si sous d'autres cieux, il n'y a pas de travail, il n'y a pas la facilité d'évoluer matériellement, vous vous déplacez parce que la terre entière appartient à Dieu. Mais vous vous déplacez avec la chose la plus précieuse que l'humanité attend de vous. Et cette chose la plus précieuse, c'est quoi? C'est l'islam. C'est pourquoi j'ai jugé bon d'aborder, de me focaliser sur le deuxième point, qui sera brièvement, bien sûr, concentré sur la nécessité de faire la dawa de nos musulmans. C'est plus qu'important. C'est plus qu'important. Parce que vous savez, quand j'attends ou j'écoute les imams ouest-africains, des fois, moi, j'écoute les chefs Abdoulaye Koïta, Mike Ouattara, et ainsi de suite, et à mon épouse à la maison qui me fait la traduction. Mais c'est la connaissance qui se dégage. Jusqu'à ce temps, j'ai rencontré les chefs Abdoulaye Koïta, Mike Ouattara, tous ces jours, je leur avais dit, mes chers, pourquoi n'est pas, il y a des jeunes gens ici, maliens, qui ont étudié. Moi, je pense que le moment est arrivé pour que certains jeunes s'occupent maintenant de la traduction de vos enseignements. Parce qu'il y a des enseignements. L'islam, non. Regardez les livres comme Riyad al-Salihin. Un pasteur ne peut pas venir nous rivaliser. Si tu prends les chapitres de Riyad al-Salihin, mais tu peux prêcher tous les jours un sujet, tu vas terminer l'année juste, le livre n'est pas encore fini. Mais ils ne peuvent pas faire ça et ils tournent seulement autour du pot. Parce que chez eux, même quand il s'agit de montrer aux gens comment planter les maïs, ils vont vous dire, non, Jésus est dit. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas d'autre prédication. Mais chez nous, ce n'est pas comme ça. Donc, il y a une grande connaissance chez nous, wallahi. C'est parce que nous vivons dans des pays où nous sommes minoritaires. Sinon, on n'avait même pas besoin de recourir à la Bible pour faire la dawa de nos musulmans. Seuls les enseignements de l'islam suffisent pour appeler convertir les gens à l'islam. Seuls les enseignements de l'islam.
Les enseignements sont tellement profonds, tellement sapientiaux de sagesse. Mais le malheur, c'est quoi? Le malheur, c'est que nous prenons les messages universels de l'islam en otage entre les quatre murs de nos mosquées. Vous allez voir, vous pouvez même avoir des voisins non musulmans à côté ici. Peut-être que depuis que vous êtes là, des voisins non musulmans, 10 ans, 20 ans, mais ils n'ont jamais entendu parler de Mohammed. Peut-être que vous parlez même de Mohammed, mais comme ils ne comprennent pas la langue, ils ne savent pas de quoi est-ce que vous êtes en train de parler. Mais il parle en charabia, on ne comprend rien. Pourtant, ce sont des paroles salvatrices pour ces voisins-là. Mais quelle sera notre responsabilité devant Dieu si ces voisins ici mouraient sans avoir entendu parler du prophète? Mais c'est scandaleux. Vous avez la parole de la vie éternelle. Susceptible de sauver tout le Congo Brazzaville. Mais nous prenons cette parole en otage entre les quatre murs de nos mosquées. Chacun de nous sait que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, parmi les 124 000 prophètes que Dieu a envoyés à l'humanité, il n'y a que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a été envoyé à l'humanité tout entière. Tous les autres prophètes ont été envoyés à leur peuple respectif, avec quelques cas d'exception, Nabi Moussa qui est appelé Firaoun et d'autres, même deux, trois prophètes comme ça. Mais le seul qui a été envoyé à l'humanité tout entière, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les preuves coraniques et bibliques sont les gens qui confirment le caractère universel de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lui-même, il a clairement montré en disant la déclaration qu'il a faite. Aucun prophète ne l'a fait. Il dit, tous les prophètes envoyés avant moi n'ont été envoyés qu'à leur peuple. Moi, j'ai été envoyé à l'humanité tout entière. C'est le seul qui a dit ça. C'est le seul qui a fait la dawa des non-musulmans de son vivant. Ce n'est pas après sa mort. De son vivant, il envoie des lettres à l'empereur de Rome, l'empereur perse, il envoie au roi d'Égypte, il envoie aux chrétiens de Nadjiran, il les invite à faire quoi? À croire dans sa mission. De son vivant, pour confirmer le caractère universel de sa mission. C'est le seul prophète qui a eu des disciples dans son entourage, des disciples appartenant à d'autres nations, de son vivant, pas après sa mort. C'est le seul prophète qui a placé tous les êtres humains sur le même pied d'égalité, en basant les critères de noblesse sur la piété. Khairukum indallahi atqakum. Le meilleur d'entre vous est celui qui crée, Dieu le puisse. Aucun prophète ne l'a fait avant lui. Aucun vrai prophète ne l'a fait avant lui. Et tous les faux prophètes qui sont venus après ne me contrediront pas. Personne ne pourra donner une seule preuve contraire pour contredire ce que Mohammed a dit. Ça n'existe pas. Mais le prophète Mohammed nous a recommandé de faire parvenir son message universel pour que toute l'humanité soit sauvée. Et il nous a indiqué les sorts même de ceux qui n'accepteront pas ce message. Wallahi nafsu Muhammad biyadi la yasma'u bi ahad min hadhihi al-umma yahudi aw nasrani thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi. Il a qu'un ami ashabina. Le prophète jure et dit, je jure au nom de celui entre les mains de qui repose mon âme, c'est-à-dire Allah. Si quelqu'un de cette communauté, la dernière communauté prophétique, de l'époque du prophète jusqu'au Yom al-Qiyam, attend parler de moi, qu'il soit juif ou chrétien, s'il meurt sans croire en moi, sa place ne sera que l'enfer. Mais comment voulez-vous que les juifs et les chrétiens entendent parler de Mohammed si nous ne leur avons pas parlé de Mohammed? Parce qu'ils ne viennent pas dans les mosquées. Comment est-ce qu'ils vont entendre parler de Mohammed pour qu'ils soient sanctionnés par ce que les prophètes viennent d'annoncer ici si nous, les musulmans, nous avons décliné notre responsabilité de faire la guerre? Regarde. Nous apportons des marchandises de Chine, Dubaï, pour tous les Congolais. Chrétiens, animistes, musulmans.
Mais alors la parole est alors. La parole, ça va dire. C'est pour qui? C'est pour nous seulement. C'est pas pour nous seulement. C'est la chose la plus précieuse que nous pouvons leur donner. Jamais ils ne nous remercieront au dernier jour pour leur avoir vendu des jeans, je sais pas, des vestes, des histoires. Hein, au dernier jour, en tout cas, monsieur Touré, les deux vestes que vous m'avez vendues là, c'était extra. Hein? Non. Mais ils pourront dire au dernier jour, ah, monsieur Touré, mais à travers vous, j'ai connu, j'ai découvert l'islam. Et les gens qui ont fait le ahli du kitab, les gens qui ont. Vous voulez qu'ils aillent au nar jahannam? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour leur faire la dame? Et déjà, je m'adresse aux imams, parce que tous les imams aussi sont des bons francophones. Imam Ousmane, bon francophone. Imam Yahya, bon francophone. Imam Harouna, bon francophone. Tous les imams qui sont ici, ce sont des bons francophones. Et d'autres sont même des lingalaphones. D'autres même parlent bien le Kikongo. Je pense que le moment est arrivé pour que nous puissions sortir, faire la dawa publiquement. Parce que vous avez la science, vous avez l'éloquence et vous avez la langue. Pour que ce peuple connaisse l'islam, connaisse le prophète Mohammed. Parce qu'ils font partie de la Oumma de Mohammed. Ils ne font pas partie de la Oumma de notre prophète. Ils font partie de la Oumma de Mohammed. Et nous avons la responsabilité de leur prêcher l'islam. Regardez, nous pouvons crier aujourd'hui, nous sommes des Ahlus Sunna wal Jama'a. Ouais, des fois, nous le disons par slogan. Hein, nous sommes salafis. Mais salafis, les prophètes ont dit, ils partaient dans les marchés. Quand Ayad Onas, il a l'islam, fil aswaq. Il appelait les gens à l'islam dans les marchés. Il appelait dans les rues. Il faisait même des portes à porte pour appeler les gens à l'islam. Est-ce que nous avons fait cela? Ou bien notre sunna, c'est seulement couper les pantalons ici et laisser la barbe? Ou bien c'est ça seulement? Mais est-ce que la sunna des sunnan, c'est appeler les gens à l'islam? La sunna des sunnan, c'est appeler les gens à l'islam. Et moi, je suis sûr et certain, je suis convaincu, wallahi, qu'au dernier jour, si nos voisins ici, qui n'ont jamais entendu parler de l'islam, pourtant nous sommes ici, ils se retrouvent devant Dieu, et Dieu leur demande, vous n'avez pas entendu parler de Mohammed? Non? Ah, on ne le connaît pas? Oh. Mais vous aviez des voisins ouest-africains, maliens, guinéens, sénégalais, ils vous ont jamais, non, ils vous ont jamais parlé? On les voyait seulement dans le marché, ils vendaient leurs histoires. Et puis ils rentraient dans les mosquées, sortaient. Nous étions là, ils ne s'occupaient pas de nous. Qu'est-ce que nous allons dire devant Allah? Qu'est-ce que nous dirons devant Allah? Pour finir, mes chers frères, regardez. Aujourd'hui, dans le monde, nous avons deux catégories de personnes face à l'islam. Deux catégories de personnes qui ont existé à l'époque du prophète et qui existent encore jusqu'à ce jour face à l'islam. Rappelez-vous que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour finir, parachuté, il a fait un doua. Allahumma aizza l'islam bi hadhaini rajulayn biman bi Abi Jahli ou Omar bin Khattab. Rajulayn ahabdu ilayka. C'est-à-dire, le prophète a fait un doigt, il dit à Dieu, « Oh Seigneur, renforce l'islam par ces deux hommes, les plus aimés auprès de toi, celui qui préfère auprès de toi. Ou bien par Abu Jahli, Abu Ibn Hisham, ou bien par Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. » Mais Dieu a fait que, c'est un hadith qui est tasrih de Cheikh Albani, Dieu a fait que Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, s'est converti ça à l'islam. Mais Abu Jahl ne s'est pas converti. Wallahi, à notre époque, nous avons encore les Omar al-Khattab et les Abu Jahl. Ces deux catégories de personnes, ce sont eux qui font la guerre aujourd'hui à l'islam. Les prototypes d'Abu Jahl et les prototypes de Omar al-Khattab, radiallahu anhu, avant sa conversion à l'islam. Pourquoi?
Pourquoi Dieu a choisi que Omar ibn Khattab se convertisse? Parce que Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, combattait l'islam sous l'empire de l'ignorance. Il combattait l'islam parce qu'il était poussé par les notables de la Mecque. Il ne connaissait pas la vérité. Mais Abu Djahl, il connaissait la vérité. Et il avait ses intérêts. Il savait que si on accepte Mohammed, notre commerce, nos intérêts que nous tirons dans la vie de la Mecque ici seront remis en cause. Et c'est Mohammed qui deviendra chef ici. Donc nous allons tomber. Par conséquent, on le combat jusqu'à la fin. C'est ce qu'on trouve aujourd'hui. Nous avons des gens aujourd'hui, notamment dans le monde occidental, qui combattent l'islam comme Omar ibn Khattab. Sous l'empire de l'ignorance, ils ne savent pas. Les gens seulement les poussent, combattent l'islam. Mohammed, c'est quelqu'un qui, c'est un meurtrier. Il est ceci, cela. Ils ne connaissent rien de Mohammed. Il nous suffirait seulement de leur présenter l'islam pour que Dieu touche quoi? Touche leur cœur et se convertisse. Mais il y a d'autres qui savent. Parce que comme l'islam est la seule religion qui invite l'humanité tout entière à se soumettre à un système que personne ne contrôle, si ce n'est Allah, et devant ce système, nous sommes tous placés sur le même pied d'égalité, nul n'a les droits de veto, seul Allah a les droits de veto, ils savent que non, si nous laissons l'islam, nous allons perdre nos intérêts, tout va disparaître. Donc, ils continuent à combattre l'islam comme Abu Jahl. Mais notre devoir sacré doit être de faire quoi? De prêcher l'islam. Ceux qui vont écouter, Dieu va faire quoi? Les diriger. Et ceux qui ne veulent pas embrasser, ils ne vont pas embrasser l'islam parce qu'ils ont des intérêts matériels à défendre. Je pense que vous avez même rencontré certaines personnes qui vous disent, en tout cas, moi je pouvais devenir musulman, mais à cause de telle chose, telle chose, telle chose, je ne peux pas devenir. D'autres le disent d'une manière négative. Mais d'autres le disent d'une manière positive. C'est comme une maman qui me disait à l'époque, qui n'avait pas la haine de l'islam. Mais il me dit, ah, papa, moi votre islam là, tel que vous me l'avez présenté, je peux l'accepter. Mais est-ce que vous ne pouvez pas mettre les porcs à côté, la viande des porcs? Laissez-moi continuer à manger ça comme ça. Ouais, mais ça. Il dit, j'aime la façon dont vous l'avez présenté, j'aime ça, mais si seulement vous pouvez me faire une faveur, laissez-moi continuer à manger. Vous comprenez? Donc il y a des gens comme ça. Il y a d'autres qui ne veulent pas de l'islam parce que hein, peut-être ils ont peur de la famille, ainsi de suite. Mais nous avons une grande responsabilité. Nous avons une grande responsabilité. Et surtout vous, et notamment nos oustas, ouest-africains, maliens et les autres, qui ont la science, vous avez une grande responsabilité. Vous avez une grande. Le Congo est devenu votre seconde patrie. Il n'y a pas de choses plus précieuses que vous pouvez offrir à ce peuple que de lui présenter quoi? Lui présenter l'islam. Libre à lui de croire ou de me croire. Mais je suis convaincu que s'ils entendent parler de l'islam, la sagesse, wallahi, moi j'ai pensé, Inch'Allah, dans l'avenir, j'ai entendu un oustaz en Ouest-Afrique qui développait seulement les droits des enfants en islam. Les droits des enfants seulement. Parce que ça n'existe pas chez les autres. Quand vous regardez les droits des enfants tels que le prophète l'a présenté à l'islam, les gens peuvent devenir des musulmans sans même entendre, vous écouter parler du tawhid. Les droits seulement de l'homme, droits de la femme, devoirs de la femme, devoirs de l'homme, devoirs des enfants. Ça seulement, ça suffit. Mais le malheur, c'est que nous prenons en otage l'enseignement, la parole de l'islam, le message universel de Mohammed qui est destiné à toute l'humanité pour les salir de toute l'humanité. Imaginez une seule fois que si toutes ces personnes ici devenaient des musulmans. Mais c'est un avantage pour nous-mêmes. C'est un avantage pour nous-mêmes. Il y aura la paix partout. Je ne voudrais pas abuser de votre temps. Excusez-moi d'avoir été trop long. Et je m'excuse auprès de Oustaz Ousmane et tous les Oustaz d'avoir été long. Et comme je l'ai dit, ce sujet, non. Moi, je ne suis pas apte à les développer. Ça, c'est le sujet des imams.
C'est vraiment le sujet de l'imam, des imams, de nos imams. Mais je voulais simplement dire un mot à l'occasion de la construction de cette mosquée, ainsi que beaucoup d'autres, et aussi mettre un accent particulier sur la nécessité de faire la dawa de nos musulmans. Oui, la dawa de nos musulmans. Vous nous aviez vu une période où on faisait la dawa. Je pense que les oustas vont en parler, Inch'Allah. Cette dawa qui a mené presque 500 personnes par mois à embrasser l'islam. 500 personnes par mois à embrasser l'islam. Mais comme je l'avais dit, et comme à mes frères, les autres, les asatisa congolais avec lesquels on faisait, avec qui on faisait la dawa ensemble, je les mettais toujours en garde. Faites très attention, il y a Satan. Satan est là. Et j'ai dit, même, vous avez même l'océan ici. C'est l'océan, non? Mm-hmm. Et c'est le Matar Rasmi de Iblis. Donc il est juste à côté ici. Donc faites très attention. Mais nous prions Dieu pour que nous unissons nos efforts pour qu'on fasse la dawa pour l'intérêt de, pour la fierté de l'islam et la fierté des musulmans. Je m'arrête là. Barakallahu fikum. Et je remercie tous les frères qui nous ont honorés de leur présence, qui sont venus donner un sens à cette causerie. Comme je l'ai dit, ce n'est pas vraiment une conférence au sens scientifique du terme. C'est vraiment une causerie. Et cela à titre de rappel, parce que les rappels profitent aux croyants. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tiens. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, comme vous avez écouté les chefs, et je vous ai dit, ce n'est pas une conférence, c'est juste une causerie et une dialogue. Alhamdulillah, chacun a pris sa part, car lorsque nos majorités sont venues ici au Congo, nous ne comprenons pas le français. Mais nous avons fait des efforts pour notre intérêt personnel. Chacun s'est débrouillé à parler le français. De se faire comprendre avec ses collègues, ses clients. Et jusqu'à certaines personnes-là, on comprend aujourd'hui, il peut parler comme il a bien dit, nous ne pouvons pas pour la Ligana. Donc, pourquoi nous ne pouvons pas faire cet effort encore pour expliquer l'islam, pour présenter l'islam, alors qu'il y a dans la boutique, dans n'importe où nous sommes, et surtout les imams, les éducateurs, donc eux aussi, il a touché. Donc, je laisse la parole avec notre cher Ousmane Ouagé, imam de Mosquée, Al-Houda, Inch'Allah, il va nous dire des mots qu'il a dit et Inch'Allah, je laisse la parole à l'imam. C'est fort dans notre cours. Ça, c'est le francophone, non? Tu comprends ça, mosquée, ça, tu connais pas? Non, la mosquée. Hein? Masjid. Là, non, il parle pas de mosquée. Masjid, il parle de bon mosquée. Ah, il parle de bon mosquée. Voilà, ouais. Mais masjid, il dit, il se connaît. C'est une arabisation. Voilà. C'est une arabisation. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi. Nous remercions, inshallah, notre cher, Cheikh Abdel Majid, inshallah, nous a honoré par ses paroles et par sa sagesse. Il a demandé en français. Et Allah donne la sagesse à celui qui veut, inshallah, subhanahu wa ta'ala. Et nous réunissons tous les frères qui sont là, Inch'Allah. Et nous avons ajouté, Inch'Allah, les chefs Haroun, avec le chef Majid, qui ont tous expliqué, Inch'Allah. Mais cette parole que je vais ajouter, c'est que le rôle que le chef a dit pour la mosquée, ça c'est le rôle de la mosquée si on l'applique comme l'islam demande. Mais c'est dans nos mosquées, cette rôle-là, ce rôle-là, est joué comme il faut. Chacun de nous doit regarder, est-ce que la jeunesse, est-ce que les dawa, est-ce que les mosquées, dans un quartier, quand il y a une mosquée, il a un rôle social, un rôle éducatif. Il a beaucoup de rôles à jouer, Inch'Allah. Si tout rôle social, Inch'Allah, les gens démunis, les gens qui n'ont pas de travail, beaucoup de choses, les mosquées, Inch'Allah, peuvent aider à œuvrer ces sens. Est-ce que dans nos mosquées, nous comprenons ça? Les dawa, les gens viennent dire, Inch'Allah, ça doit faire peur à nous les oussas, mais à vous tous, ça veut dire que. Nous tous, nous sommes les ambassadeurs de l'islam et par nos comportements, on peut fuir les gens de l'islam comme on peut appeler les gens vers l'islam vraiment avec nos comportements. Si vous regardez les pays comme l'Indonésie, comme le Malaisie, centaines de millions d'habitants, ce n'est pas les djihad, c'est les commerçants qui ont amené l'islam là-bas. Si vous regardez même l'Afrique de l'Est, j'ai regardé que c'est dans certaines conférences, Inch'Allah,
c'est les commerçants. Les habitants, les commerçants, ils ont amené l'islam, inchallah. Donc nous, ici, ils sont là, avec nos honnêtetés et avec notre bon comportement, on n'a pas besoin d'être un grand moustache. Mais inchallah, on peut convaincre les gens que l'islam est la vraie religion, rien que quand ces gens-là regardent comment nous-mêmes on se comporte. Oui. Donc vous tous, inchallah, vous êtes les ambassadeurs de l'islam et vous pouvez appeler les enfants de l'islam, mais avec vos comportements, inchallah, qu'Allah nous les facilite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik. Batinou ko même quoi. Est-ce que ça fait? Non, non, ça c'est sincère. Djay. Oui, c'est sincère. Ouais, ben Marc Bolicha. Ben Marc Bolicha. J'ai Ousmane Wade. Demain, ben Marc Bolicha, c'était possible. Encore. Il faut en profiter. Mais comme c'est des jours ouvrables, c'est mieux toujours après. Après Magari. Voilà, après Magari. On va passer le micro, Inch'Allah. Il a posé une question. Ah, ok. Oui, il y a une... Salam alaikum. Il y a un frère qui nous a adressé une question. C'est... Salam alaikum. D'où vient le mot mosquée? Est-ce que ça signifie alors masjid? Oui, il signifie, explique-moi. Bon, c'est juste une déformation du terme masjid. C'est une déformation. C'est comme on a déformé le nom de Muqaddoum et beaucoup d'autres savants, Anavicenne, Averroès, ainsi de suite. Alors, ben, c'est devenu consensuel. Tout le monde est d'accord avec ça pour dire que c'est l'équivalent de masjid, mais ça ne reflète pas vraiment le sens du mot masjid en arabe, quoi. Parce que le mot masjid, qui vient du verbe sajada, c'est là où les gens vont se prosterner pour adorer qui ? Pour adorer Allah. Donc ça, c'est un mot qui est une déformation du terme masjid, mais qui a pour sens le lieu de la prière des musulmans. Donc quand on entend parler de mosquée, directement on voit l'endroit où les musulmans prient, quoi. Barakallahu fikoum, mais vous pouvez encore élargir votre connaissance en consultant les dictionnaires sémantiques ou philologiques pour voir la source du terme, inshallah. Barakallahu fikoum. Donc sur ce, nous avons terminé, Inch'Allah, nous allons passer pour un peu Myriam pour faire le doigt. Mais avant ça, Inch'Allah, le chef, il est juste de passage à Pointe-Noire et exceptionnellement, il a accepté notre invitation de venir animer cette conférence. Normalement, il devait partir à cette causerie, comme il l'a dit, Inch'Allah. Pour nous, c'est plus qu'une conférence, Inch'Allah. Donc, on l'a demandé d'animer, Inch'Allah, cette causerie et il a accepté avec joie, car il a dit, c'est un combattant de Dieu. Partout où il est, Inch'Allah, c'est son travail. Et peut-être qu'il partira demain ou après-demain. Donc, on a négocié tout à l'heure avec Inch'Allah, s'il ne part pas demain entre Maghrib et Isha, disent là, nous allons faire les publications, Inch'Allah, sinon statut autre, il sera, Inch'Allah, l'invité à la mosquée Al-Bouda et l'OCH Biznillah et Ta'ala, et peut-être qu'il va partir le mardi. Inch'Allah, on fera tout qu'il part le mardi. En tout cas, on a besoin encore, Inch'Allah, Ta'ala, de ses paroles, de ses paroles qu'ils nous ont fait, Inch'Allah, Ta'ala, revivre, et qu'Allah, Subhanahu wa Ta'ala, nous le compense pour tout ce qu'il fait et qu'il a fait pour la religion de l'islam. Qu'Allah, Subhanahu wa Ta'ala, nous préserve et qu'Allah, Subhanahu wa Ta'ala, nous protège. Et Inch'Allah, nous passons à la parole de l'imam. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de guérir notre chair, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège, qu'Allah subhanahu wa ta'ala veille sur lui, la famille qu'il a laissée, qu'il n'ait pas trouvé la famille, c'est un souffle, et que lui même rentre aussi dans la famille, c'est un souffle. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse vivre dans la longévité, à la gloire Allah subhanahu wa ta'ala, et notre réunion, qu'Allah fasse que ça s'éteigne dans le paradis. La façon dont nous sommes rassemblés dans cette mosquée, nous sommes rassemblés comme ça dans le paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fortifie l'islam. Qu'Allah élève l'islam. Qu'Allah affaiblisse la mécréance et la mécréance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala sauve les musulmans et leurs biens et leurs familles partout à travers le monde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous vivons musulmans et que nous mourons musulmans. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que notre dernière parole sur cette terre soit là. Et l'Amen d'Allah, Muhammad Rasulullah. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. شيخ. سلام.